sommes en Romains 5. Nous sommes dans Romains 5. Nous lirons du verset 5, du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc on va dans là où il y a un bouquin on a mis. Nous lisons la parole de Dieu. Donc autant aller dans un bien. Au nom de Jésus-Christ. Dans combo de Jésus-Christ. Étant donc justifié par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance et dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, la journée d'aujourd'hui, vous connaissez vous tous, était consacrée à la prière et au jeûne. Bien qu'on pouvait sortir d'un mal à l'autre, on avait à esprit toujours la prière. Mais même devant son chef, quand il tarde à vous dire quelque chose, vous pouvez murmurer quelques mots de prière. Nous allons prier ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur soit avec nous tout au long de la prégation. Et surtout, quand la parole de Dieu sortira, que le Seigneur nous donne la capacité d'écouter la parole de Dieu et de la garder dans nos cœurs. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec son serviteur et qu'il le rende capable de nous transmettre tout ce qu'il lui a donné dans le secret. Prions ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés et Père, c'est mon salut. Mon Créateur, qui est la terre de l'univers et le visible, je te suis infiniment reconnaissant, c'est gloire de le grand Dieu qui m'a permis de pouvoir venir à temps à la salle de l'Assemblée afin d'écouter la parole de Dieu. Puisse-y être avec moi, Seigneur de gloire, et m'assister à tous égards. Jésus, Dieu de mon salut, j'ai besoin de toi et assiste-moi en toutes choses. Éloigne de moi, Père Céleste, toutes les attaques de l'ennemi pour tes mon Céleste. Sois loué, sois béni, sois glorifié, tout puissant justement, à ton nom et ta gloire, à ton assiette et ta victoire, au nom justement. J'ai besoin de toi, mon Père, j'ai besoin de ta bonté, et pour le nom de Jésus, et assiste-moi en toutes choses. Aide-moi, Père Céleste, et nous entendons pour Jésus, au nom justement, à ton nom et ta gloire, à ton assiette et ta victoire. Je te sens tout Jésus, il ne donne pas tout Jésus, il ne donne pas au Père, et je te prie de ta soeur avant de perdre. Mon nom se demande, tout le monde ta gloire, à ta racine de la victoire, mon nom se demande. Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi à t'écouter me parler.
Là-haut sur la croix, oh Jésus a tout fait. Tout est accompli à Golgotha. Comme l'a dit Jésus, seul mon Rédempteur. Et je crois à l'œuvre du calvaire. Quand Jésus suivit le chemin de la mort, c'était pour moi, c'était pour moi, pour me délivrer de mon terrible. Nous appelons notre bien-aimé frère Iloko. Donc, benga molinga mina biso ndeko Iloko. Qu'il vienne prier pour nous. Et taya kobonde la mpona biso. Nzambe tata na biso za na likolo. Dieu notre Père qui est aux cieux. Tozongisi matondi epai na yo na tango yo totelemi. Nous te rendons des grâces devant toi à cette terre où nous nous tenons. Kobanda dimanche kino poko ya lelo ya mokolo ya mercredi. Depuis le dimanche jusqu'à ce soir du mercredi. Mobateli mosusu azalaki te. Il n'y avait pas un autre protecteur. Mobele yo. Il n'y a que toi. Pena kati na biso banso. Et parmi nous tous, mokote akoki koloba ete ameritaki mokolo ya lelo. Personne ne peut dire qu'il a mérité la journée d'aujourd'hui. C'est une grâce venant de toi. Toi, tu as trouvé bon que nous nous trouvions encore dans ce culte de ce soir. Pour que nous puissions entendre ce que tu as décidé de nous parler pour notre préparation. Et c'est pour cela que nous sommes devant toi. Zalana moté ya mokolo. Soit avec les prédicateurs du jour. Pesa emaloba ko utana yo pona kolobela biso. Donne-le les paroles venant de toi pour qu'il nous parle. Pesa biso boyoki malam. Et aussi donne-nous une bonne audition. Tozala bobele ba yoki te. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs. Mais que nous soyons ceux qui mettent la parole en question en pratique. Comme nous sommes venus à toi, il y a des questions. Celui qui donne des réponses, c'est toi. Dans nos corps aussi, il y a des maladies. Il n'y a pas un autre médecin en dehors de toi. Et nous demandons que notre terre, notre cœur, que tu le prépares. Pendant que ta parole qui est la semence tombera dans notre cœur, ainsi que tu donnes la capacité pour que la parole en question puisse germer dans nos cœurs. Et que nous puissions vivre conformément à cette parole. Soit avec le frère qui sont en route. Et soit avec toute l'ensemble. Du début jusqu'à la fin, nous comptons sur toi. Parce que tu as un plan pour nous pour la journée d'aujourd'hui. Accomplis-le. Que ce que l'ennemi a préparé, cela soit détruit. Que notre frère, le berger Lilanga, là où il va, soit avec lui. Et quand nous apprendrons qu'il est arrivé en Amérique en paix, la gloire te sera rendue. Bénis le frère Jérémie pour la modération. Zala est longo na interprète.
soit avec l'interprète. Et toute l'assemblée, que tous nous soyons un d'un même esprit. Longola distraction katinabiso. Ôte la distraction au milieu de nous. Sungabiso. Aide-nous. Et bandelipe suka ya koyangana. Du début jusqu'à la fin de l'assemblée. Tobondeli na kombo na Yesu Christo. Nous avons prié au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Veuillez vous mettre s'il vous plaît. Nazwi mokano yakotika maka boyamokili boko zalana Yesu zali esengo monene Ongai nakani, nakani komi pesa, nangolo Yesu, ongolo nanga, ongolo tamwisa, naina, ongo yasika, loko langai, yo. Encore une fois, nous saluons les saints au nom de Jésus-Christ. Lisus umbaramoko toko pesa basa tumbote na kombo na Yesu Kristo. Je remercie le berger. Nazari kotonda mokengeli de la confiance qu'il m'a fait. Na ekotela motembo ya chilingai. M'a appelé au téléphone. Abinga kingai na singa pour me dire bona koyebi sangai. Frère Barnabas, Deko Barnaba, que le Seigneur te bénisse pour le travail que tu as fait. Et comme tu pars le vendredi, accepte de parler encore à l'église jeudi et mercredi et jeudi. Comme ça, le vendredi matin, tu pars à Lubumbashi. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Nous avons toujours quelque chose à parler. Puisque dans notre JBC, il y a toujours quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il bénisse le berger. Amen. Avec tous ses associés. Soyez bénis. Nous venons de lire un morceau d'écriture très important. Parlant de la justification. Et c'est vraiment bien. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La justification n'est pas seulement un enseignement. Non. La justification, c'est une expérience personnelle que chacun doit faire. Vous sentez vraiment que vous êtes en paix avec le Seigneur. Après que Dieu ait ôté les péchés. Et il dit, à qui nous devons d'avoir eu peur à la foi, à cette grâce. Dans laquelle nous demeurons fermes. Nous confions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Soyons fermes.
demeurons dans la parole. Demeurons dans la foi. Il n'y a pas la foi sans l'obéissance. La vraie foi marche toujours avec l'obéissance. Dieu, bien plus, nous nous glorifions des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans nos épreuves, notre regard n'est pas tourné vers un homme. Nous tournons nos regards notre Seigneur Jésus, qui est le consommateur de la foi. Il nous gardera. Il n'y a pas d'épreuve qui peut dépasser notre foi. Et nous devons toujours marcher, les regards tournés vers lui. Nous allons passer toutes les afflictions que nous passons. Et bientôt, il essuiera les larmes de nos yeux. Entrez dans la joie de votre maître. Et l'affliction produit la persévérance. Et écoutez la verset 4. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Que Dieu soit loué. Oui. C'est une bonne écriture. Qui nous sert de marcher. Les regards tournés vers lui. Le dimanche, j'ai parlé sur les remerciements de frère Loué. C'est de frère Lumbwe que je devrais parler, les diacres. Je ne sais pas comment ce nom est venu. C'est Lumbwe. Notre diacre. Et la sœur Déborah. Qui m'offre l'hospitalité chaque midi. Que Dieu bénisse cette famille. Que Dieu accorde tout ce qu'ils ont besoin. Accorde tout ce qu'ils ont fait. Parce que la Bible dit, un seul verre d'eau mérite la bénédiction. Mais ils le font chaque jour, il n'y avait pas. Que Dieu les bénisse richement. Que bénisse la sœur Déborah pour tout ce qu'elle fait. Acceptez maintenant de vous mettre debout. Comme je vous ai dit, il y a toujours dans les gibeciers quelque chose. Nous allons parler du jubilé. Et prenons le chapitre 25 de Lévitique. À partir du verset 8, nous allons lire jusqu'au verset 10. Tu compteras cette sabbat d'année. Yo kotanga ba sabato sambo. Cette fois cette année. Nambula sambo. Et les jours de ces sept sabbats d'année feront 49 ans. Et mokole ya ba sabato sambo ya mbula sambo e kosala mbula tukumi ne ina liwa. Le dixième jour du septième mois. Mokolo na zomi ya musanza ya sambo. Tu feras retentir les sons éclatantes de la trompette. Yoko yuli sakerelo. Les jours des expiations. Mokolo ya kolongola malisumu. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Yoko yuli sakerelo kati na mboka na bino mobimba. Et vous sanctifierez la 50e année. Yoko santi sama mbuo ya 35. Vous publierez la liberté. Yoko sakola bonsomi. Dans les pays. Kati na mboka. Pour tous ses habitants. Pona bafandi ba wana nyonso. Ce sera pour vous le jubilé. Eko za mpola bino jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Mokona mokona bino kozonga ipai na ye. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Pe mokona mokona bino kozonga kati na libota na ye. Prions tous ensemble pendant un court instant. Tobondela biso ba so elongo na mwangonga moke. Prions. Tobondela. Oui Seigneur. Tu nous as déjà parlé par l'écriture d'introduction, par les cantiques que nous avons chantés. Maintenant, Seigneur, que je vais parler de ta part sur ce petit sujet pour réconforter les saints dans cette marche, afin que nous puissions voir ce que Dieu a fait pour nous. Bénis les saints, bénis l'Église, bénis les bergers, l'Ilanga,
bénis tous ces associés qui sont associés avec lui dans ce travail. Bénis la parole que nous venons de lire. Donne-moi les paroles de grâce que je puisse, Seigneur, parler à ton peuple. Nous avons ainsi demandé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour cette après-midi, cette soirée que tu nous as donnée pour écouter ta parole. Comme le frère a prié, que nous sommes séparés depuis dimanche, et la pluie que tu nous gardes, pour qu'aujourd'hui nous soyons réunis pour écouter encore ta parole. Oui, moi, Seigneur, que je puisse parler de ta part. Bénis la lecture de la parole. Bénis tout ce que la parole nous avons écouté d'introduction, de lecture d'introduction. Cantique que nous avons chanté, nous exprimons notre foi. Maintenant que nous avons lu cette écriture d'introduction, pour parler de ce sujet, moi, que je puisse parler de ta part, de la parole, la grâce dans ma bouche, que je communique ta pensée, je vais demander ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Paul disait à Timothée, Paolo azalaye kolobana Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et il pourra enseigner, pour corriger, pour que les enfants de Dieu soient trouvés dans la foi. Et il est dit aussi dans Actes chapitre 17. Acte chapitre 17, si nous pouvons retrouver cela. Namisala mukapazo mena sambo so toko kotala yango. Là, il est dit ceci au Béréen. Wana yana lo biboye. Acte 17. Misala. Voilà la difficulté que nous devons avoir. Talani difficulté de songer kozwa. Il est parlé ceci. Et l'obami boye. Au verset 10. Nzala otanga zomi. Aussitôt les frères firent partir. De nuit, Paul et Silas pour Béré. Lorsqu'ils furent arrivés, Tango bango bakomaki, ils entraient dans les synagogues des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Examiner chaque jour les Écritures pour voir ce que l'on disait est exact. Voilà l'attitude de l'Église. Nous devons toujours considérer les Écritures et examiner ce qu'on dit si c'est conforme aux Saintes Écritures. Tu n'es pas la vérité. Moi, je ne suis pas la vérité. La parole est la vérité. C'est l'endroit où nous pouvons trouver notre endroit de repos. C'est la Bible. Notre absolu. C'est ça notre Bible, la Bible que nous croyons. C'est ainsi dit le Seigneur. Soyez bénis par ce sujet, que vous puissiez encore vous secouer un peu et regarder à celui qui nous a appelés. Oui. En Israël, il y avait l'année qu'on appelait l'année du Jubilé. Et cette année-là, c'était une année de relâche. Une année de grâce. Pour rendre libre ceux qui étaient prisonniers. Ou celui qui s'était vendu et qui n'a pas moyen de se relâcher. Il y avait deux façons de se relâcher. Si tu n'as pas de moyens, si tu as été vendu, tu as été esclave, et que tu es devenu pauvre, que celui qui est à côté de toi est devenu riche, l'étranger, et tu as vendu ton champ, ou tu t'es fait esclave, tu n'as pas moyen de te racheter. Il y avait ce qu'on appelait la loi de Révira. Il faut qu'il y ait un proche parent, un oncle,
Noko, quelqu'un de la famille moto moko na libota, qui peut venir, qui est capable, qui peut venir racheter. S'il n'est pas là, ce qui tu attendras l'année de jubilé. Yo, koze la mubu ya jubilé. Alors les deux possibilités là été données. Na bongo ba, possibilité si libalo, nous parlons de l'année de jubilé. Awa, toko, na mubu ya jubilé. Une année où il y avait le relâche. Ane, mubu o, ezala, babata, où Dieu bato. Devrait donner la liberté. Il a fait cette loi pour que les gens rentrent dans leurs propriétés. Le roi. Et il a donné cette loi là. Cette possibilité là. Possibilité wana. Pour que Israël puisse se rendre libre. Et komi. Soyez bénis. C'est une bonne illustration. Et j'allais tel c'est moi quoi madame. Qui nous montre aussi que nous aussi. Et quand les services de bison peut être libre. Donc qui peut comme avancer. Et si nous ne pouvons pas être libres par nous-mêmes, qu'est-ce que la Bible dit? Ils ne peuvent pas se sauver l'un l'autre. Le prix de leur achat est très cher. Nous n'aurons jamais lieu. Nous avons été vendus par le péché, par notre père Adam. Et la Bible dit, c'est gratuitement qu'ils ont été vendus, et c'est gratuitement qu'ils seront rachetés. Nous avons été vendu par le péché. Et en naissant dans ce monde, nous ne sommes vaincus. Comme Pierre et comme David pouvait s'écrier quand il était allé vers le Beersheba. Et Nathan est venu. Et Nathan yaki. Il a donné l'exemple de quelqu'un qui avait beaucoup de brebis. Et qu'il a pris un seul agneau, il l'a offert à ses invités. Et moi quoi suis bobele bobe. Patena yé moi quoi suis à peser. Le jugement est sorti vite de David. Il dit, un homme doit être tué. Il a compris cela. Il s'est jeté par terre. Il a demandé pardon. Il a supplié la grâce. Il a dit, je suis né dans le péché. Et que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et je ne peux pas par moi-même. Purifie-moi avec l'hysope, alors je serai pire. Nous tous, nous sommes nés dans le péché. Il n'y a personne qui peut se taper la poitrine. Et nous tous, soit les prophètes, tout le monde, dans le péché, est vendu au péché et pour la mort. Il n'y avait personne pour nous sauver. Personne. Mais Dieu nous a fait grâce. Ça s'appelle la grâce. Dieu, Genèse. Il est descendu et il a fait cette promesse que la semence de la femme viendra et écrasera la tête du serpent. Et quand il écrasera, la liberté sera là. C'était une grâce. Nous étions vendus au péché. La Bible dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et tous les prophètes qui venaient, ils ne pouvaient pas, ils donnaient la prophétie. L'Esprit de Dieu était sur eux. Mais à la fin, la mort venait et les prenait. Pourquoi? Puisqu'ils étaient tous nés dans le péché. Et personne ne pouvait sauver l'autre. Ça, nous le pouvons le dire comme ça. Nous sommes tous nés dans le péché. Mais que Dieu soit loué pour sa grâce qu'il nous a fait par une vierge, comme le péché est venu par une femme et la mort est venue par elle, la vie est venue aussi par une femme, une femme croyante, pas comme Ève qui était incrédule, mais comme Marie qui elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Dieu a contourné la voie du péché. Il a pris la semence. Il a déposé dans Marie sans aucune sensation. C'était un miracle que Dieu avait fait. La semence venait de Dieu. L'ovile venait de Dieu. Tout est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. C'était le sang de Dieu. Et le bébé naquit. La Bible dit, il vous est né un sauveur. Quand Siméon l'a pris, il a dit,
Seigneur, laisse ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Nous étions vendus au péché. Qui pouvait sauver l'autre? Mais la solution, c'est Dieu qui l'a donné. Dans ce temps-là, quelqu'un était dans ce tourment-là. Il attendait cette année. Et quand cette année venait, l'aube le matin, quelqu'un pouvait aller sur la montagne. Regardez le lever du jour. Et maintenant, on sonnait de la trompette de la jubilée. Pour que les gens se sentent qu'ils sont vraiment libres. C'est seulement un type. Nous étions esclaves de boissons, de l'adultère, de la fumée, de tous ces péchés qui peuvent se nommer. On ne pouvait pas se sauver. Nous ne pouvons pas nous rendre libres par nous-mêmes. Nous étions liés. Mais à ce temps-là, pour rendre la liberté, pour que les gens soient réellement libres, Dieu a donné une occasion de quitter l'esclavagisme. Il y avait ce qu'on appelle l'année de relâche, ou l'année de jubilée, ou même quand tu étais esclave, et que tu avais le chef de corvée sur toi, et que tu avais une tâche à faire. Quand la trompette sonnait, la personne se sentait libre et sortait. Et maintenant ici, Dieu a donné une occasion pour nous tous pour que nous soyons libres du péché. Et cette année-là, ce fait homme, ce n'est plus une année, c'est devenu une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Et il a marché, il a fait beaucoup de miracles, il a guéri les malades. Mais comme il est dit dans Esaïe 53, il a été frappé pour nos péchés, et par ses maîtrises nous sommes guéris. Et la croix, à Golgotha, nous avons eu double bénéfice. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes sauvés. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris de toute maladie. C'est une grâce. Et cette grâce-là, c'est l'année de jubilé, est devenu un homme. Jésus-Christ, il a payé le prix. Et au calvaire, il a dit, tout est accompli. Tu es libre. Tu ne peux pas être esclave du péché. Tu ne peux pas. Tout péché est déjà vaincu par le sang de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Ma soeur, tu es libre. Ça s'appelle le jubilé de Golgotha. Où il a payé le prix pour le rachat. Pour que soyons libérés. Oui. Et quand il l'a fait, ça s'appelle la grâce. Oui. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le jubilé. Ça, c'est la liberté. Quand vous croyez à cette œuvre, tu es sauvé. Même si tu es une pire prostituée de cette ville. Si tu crois cette œuvre-là, Dieu t'a justifié. Et t'a justifié, tu auras la paix avec Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Ça s'appelle la grâce. Vous êtes bénéficiaires de cette grâce. Nous ne pouvons pas être encore liés. Un jour, les Juifs, Jésus a dit, vous êtes des esclaves. Il dit, non, nous n'avons pas été esclaves de personne. Nous avons mon père Abraham. Et il dit, toute personne est esclave de celui qui, de ce qui le lie. Si vous avez le péché, vous êtes lié par le péché. Mais quelque chose qui nous rend libre, c'est Golgotha. Là, nous sommes libérés de tout péché. C'est toute une liste. Mais le péché, il est aussi un lien, puisque le péché, c'est l'incrédulité. Jean dit, voici l'agneau de Dieu
qui ôte les péchés du monde, qui est venu par l'incrédulité, qui est ôté par la foi en Jésus-Christ. Quand vous croyez réellement le péché, l'incrédulité est ôté. Tu es libre. Tu n'es plus esclave du péché. Amen. Amen. Lisons cela. Yango. Lisons une écriture. Totanga likomi woko. Pour que vous soyez réconfortés. Nous sommes liés par le péché qui nous a, par notre naissance. Psaume 58, verset 4. Psaume 58, verset 4. Mais le calvaire. Kasi calvaire. Nous a libérés. Et Kangola Kibiso. 58, verset 4. Nous lisons ceci. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir de leur ventre. De leur mère. Ya maman à bango. Ils ont venu pareil à un venin d'un serpent. Bango bazui mono kobokana oyo ya nyoka. Psaume 51, verset 7. Zembo tumitana na moko ndra kotanga sambo. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Alani na bota mai kati na bokeseni pe mama nanga kumbaki zeme nanga kati na lisumbu. Psaume 49, verset 7 à 9. Eh ban zembo tukumina na libwa ndra kotanga. Ils ont confiance en leurs biens. Ils se confient de leur grande richesse. Ils peuvent se racheter l'un l'autre et donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de l'âme est cher et n'aura jamais lieu. Pardon. Le rachat de l'âme est très cher. Oui, oui. Dans Esaïe 52, Esaïe tout comme il t'en a mis balé, il est dit ceci, Esaïe 52, Esaïe tout comme il t'en a mis balé, verset 2, 3, de là où t'en a mis balé, Pémisato, là il est dit ceci, Kuna Elobami Boye, secoue ta poussière, lève-toi, et pour la poutoulou na yon pétérema, mets-toi sur ton sol, Jérusalem, Téléma, le colonne à Saint-Noël, Jérusalem, détache les liens de ton cou, Longora Bankanga, la Kimura Yon. Mokanganation, moi la passionne. Yangwelo Biawe. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas au prix d'argent que vous serez racheté. Et nous sommes nés dans le péché, oui. Mais Dieu nous a fait grâce en Christ. Job chapitre 14. Yo bozo mina minei. Job 14. Yo bozomé miné. Verset 1 à 5. Dira kotanga mboko kilomitano. Là il est dit ceci. Ah, il le même iboyé. À cause de notre première naissance. Nantina mbota na biso yambo. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Botoa bota mina mwasi bo mwana ezali bokuse. Et ça c'est s'agiter. Pe kozanga ko ezali ko lisa matanga nyoso. Comme une fleur. Ya bota mi lokola fuyé disparaît comme une ombre. Pe ya ezali ko limwa lokola lilingi. Une fuyé disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu fais l'œil ouvert. Il fait la justice avec toi. Comment un être souillé sortira-t-il non pur? Il n'a fait sortir aucun. Nous étions vendus au péché. Mais Dieu nous a fait grâce. Que son nom soit loué. Job 15, verset 14. Job 15, verset 14. Qu'est-ce que l'homme? Nini yango moto. Pour qu'il soit pur. Pour être à la pète. Celui qui est de la femme peut-il être juste? Ouais, bon, t'as moi, ça va, la pète. Si Dieu n'a pas confiance à ses saints. Ceux qui nous ambassadent, ils disent qu'ils sont belles. Ils sont vendus au péché. Tout est comme un gars de soumou. Et par cette naissance-là, nous sommes devenus des hommes animaux. Comme la Bible le dit dans le Nouveau Testament. Puisque nous sommes nés de la chair. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 14.
1 Corinthiens 2. Moko kolito mibale. Verset 14. Zela kotanga zomi na minei. La Bible dit. Bible lobi. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Il faut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cet homme-là, c'est pas notre première naissance d'Adam. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, vendus au péché. Mais Dieu nous a fait grâce comme nous l'avons dit. Il nous a rachetés. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. De l'incrédulité à nous, et nous sommes devenus libres. Mais cet homme ici, c'est un homme méchant. Il n'aime pas la parole, puisqu'il est vendu au péché. Cet homme ici, c'est un homme animal, dans la passion seulement de la chair. Cet homme-là est capable de prendre un bébé de 12 mois, et de la violer, puisque c'est un homme charnel. Mais Dieu nous a fait grâce. Ça s'appelle la grâce. C'est pourquoi, quand réellement vous avez reçu cette grâce-là, et que vous avez goûté au salut, les œuvres de la chair qu'on énumère là ne doivent pas être à nous. Puisque nous avons été rachetés, nous avons eu la liberté, nous avons reçu une anneau de grâce, de relâchement. C'est toute une liste qui ne doit pas être trouvée dans les saints. Comme Paul le dit dans Ephésiens chapitre 5, lui qui était délivré, il dit devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, les enfants qui ont été rachetés, qui ont été libérés par le péché, l'incrédulité totale, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Le prix était payé à Dieu pour notre rachat. C'est lui qui s'est donné à rançon. C'est Jésus-Christ. Comme il en est ainsi, comme nous sommes libérés, comme nous avons expérimenté cette expérience de Golgotha, j'ai dit bien, ce n'est pas un enseignement. Ça doit être des expériences. Une liberté que vous avez vous-même vécue. À ce moment-là, vous allez sauter et vous sentirez que vous êtes libre. La Bible dit que la débauche ni aucune impureté ni la cupidité ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à ceux qui sont déjà rachetés. Vous êtes des saints, vous êtes libres, le Seigneur a payé le prix. Ces choses, même en Israël, la Bible dit qu'il n'y aura parmi vous, il n'y aura pas parmi vous de prostituées et de saints. Parmi l'église des saints, on ne peut pas entendre l'odeur de la prostitution. On est libéré. La grâce est libère. La grâce délivre. Nous avons eu le jubilé du calvaire. Que ces choses ne soient pas nommées parmi les saints. Judas. Il est allé dans une ville. Il a trouvé une femme. Là, donc à l'entrée de la ville, elle était voilée comme une prostituée. Et Judas l'a pris. Et il lui a demandé un gage, puisqu'il n'avait pas l'argent. Il lui a laissé le cachet. Il lui a laissé aussi son bâton. Et il lui a promis qu'il
que je viendrai, je paierai. Et na koya ben akofuta. Dans Israël, il y avait une loi. Quand quelqu'un meurt et qu'il n'a pas laissé la postérité, le jeune frère pouvait le prendre. Et il y avait deux fois que les choses là étaient arrivées. Alors Judas a eu peur, il a dit, mon rentre un peu. On attend que l'autre grandisse. On va voir si on peut te le donner comme mari. Et quand maintenant il est allé là-bas, la femme là, il a traîné. Et Judas l'a pris. Il est rentré. Maintenant, son retour. Et il a dit, je vais aller payer maintenant la chèvre. Et je vais donner l'argent. Il a dit à un de ses amis, vas-y dans telle ville, tu vas trouver une femme prostituée, tu lui donneras ça. Et on t'a donné que moi ça qu'il remette. Qui remettent ce que je lui avais donné comme gage. Donc la verge, elle est cachée. Alors, son ami est parti. Il est arrivé dans la ville. On lui a dit, ici dans cette ville, il n'y a pas de prostituées. Comment ça? Alors, Judas a dit à son ami, ne nous exposons pas à l'ignominie et à la honte. En cherchant ça, nous allons nous exposer. Maintenant, rentre. Laissons ça. Et la femme a conçu. Mais maintenant, on l'a informé. La femme de ton fils, la veuve, a conçu. Comment c'est arrivé? Qu'on l'appelle et qu'on la juge. Et elle aussi est venue avec le bâton, avec le cachet. Il a dit, la grossesse que j'ai ici, c'est à qui appartient cet bâton et ce cachet. Alors Judas confie. Il était là, bouche bée. Et plus tard, l'enfant a accouché. Et c'est d'elle qu'est devenue la lignée de Christ. Mais les gens qui disent de la grâce là prennent cet exemple et ils commettent l'adultère dans l'église et ils disent, c'est écrit, ne nous exposons pas à la honte. Si tu veux faire commettre l'adultère, fais le cache-cache là. Nous sommes encore sous la grâce, Dieu sauve encore, mais il pardonne l'iniquité. Et c'est pourquoi avec les écritures, amen, ils sont devenus adultères. Nous ne sommes pas des adultères. Tous les mauvais exemples dans la Bible ne doivent pas être nos exemples à moi. Ne doivent pas être votre exemple à toi. La Bible dit, nous avons été avertis pour que nous ne commissions pas les mêmes bêtises. Ces choses ont été écrites pour nous instruire. Nous, quand on est sauvés, Dieu nous sauve corps et âme, esprit. Pas d'adultère dans la vie. Nous ne devons pas marcher dans l'adultère. Au nom de la grâce. La grâce, la vraie grâce. Libère. La vraie grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à la vie mondaine pour ne pas tomber dans la disgrâce. Que l'église écoute deux fois. Nous sommes sauvés par la grâce et la liberté. L'année de jubilé a sonné pour que nous soyons libres. Les adultères ne doivent pas exister dans l'église. Cette assemblée, c'est l'assemblée des saints. Paul dit, soyez mes imitateurs, moi qui suis libéré. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu et des enfants de Dieu qui n'ont pas compris cela. Ils sont tombés dans la disgrâce. La grâce est grâce pour celui qui reçoit comme grâce. Et quand on est libre, on est libre de tout ça. C'est toute cette liste ici méchante. L'église ne doit pas se trouver là-dedans. Nous sommes une assemblée sainte. Une église qui
par le sang de Golgotha. Il y a eu un jubilé. Il a crié tout à côté, tout est accompli. Pour que ces choses ne soient pas citées au milieu de nous. Est-ce que c'est compris? Il y a la débauche, ni aucune impureté, ni de mon côté. Pas de masturbation même de femme. Non, 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 non. Ne faites pas ça, c'est un péché. Si tu veux te satisfaire, attends ton mari. Ne faites pas autre chose en dehors des liens du mariage. Que cela soit compris ainsi, puisque nous sommes déjà libres. Dieu a ôté les péchés. J'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Nous ne sommes pas des incrédules. Nous sommes des croyants. Et nous sommes libres. Qu'on n'entend pas dire de paroles grossières. Jubilé nous a libérés. Le Golgotha nous a délivrés de nos coutumes. Moi je suis papa, ma passe à moi. Moi je suis papa, ma oui, oui. Oui, yo. Mais je ne fais pas de blagues. Hein. Les chambouilles. C'est du diable ça. Puisque tu es maman, tu es papa, ma passe à maman, ma passe à. Commence à faire des blagues. Oh, dis donc, lui, il est chambouille. Non, 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 non. Les chambouilles dans la parole de Dieu, non. Pas de paroles grossières qui font honte. Non, non, non. Pas de blagues avec tes soeurs. Nous sommes libres. Tu dois seulement jouer avec ta femme, pas avec les femmes des autres. Pas de blagues parmi nous. Nous allons au ciel. Nous avons reçu la liberté. Pas de paroles grossières. Non, non. Des blagues, ce n'est pas bien. Tu peux être humoriste. Mais non, des blagues comme quelqu'un de théâtre, dans l'église, il n'y en a pas. On doit être sérieux. Nous sommes là, sérieux dans la parole de Dieu. On ne fait pas des blagues de la parole. Donc tu fais comme ça, comme Judas. Et tu fais ceci, comme la femme au puits. Pas des choses comme ça. On ne fait pas la parole de Dieu pour faire des blagues. La parole de Dieu doit être crue. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce que vous avez reçu la liberté? Les jubilés vous ont rendu libres. Vous n'êtes pas esclaves. Vous êtes libres. Et la Bible dit, c'est toute une liste ici. Ni propos insensés ou équivoques, ce ne sont pas des choses bien. Choses qui sont contraires à la bienséance. Mais dans les saints, pardon, parmi les saints, qu'on attend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur au nom de la grâce va aller au ciel. Non, sachez-le. Qu'aucun impudique, ni cupide, ne peut avoir le royaume des cieux. Dans l'Apocalypse chapitre 22, il dit je viens bientôt. Et la Bible dit dehors, les chiens, dehors, ceux qui commettent adultère, dehors, dehors, dehors. Il y a des choses qui vous excluent. Mais ces choses-là, Dieu nous a libérés. Il y a un jour, nous avons été déclarés libres. Retenons cela. Prenons Ésaïe 61. Ésaïe 61, la parole avait dit, et cela s'est accompli avec Christ. Et dans Ésaïe 61, nous lisons ceci. Ésaïe 61, écoutez comment la parole de Dieu est parfaite. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint
Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la liberté. Et la Bible s'est arrêtée là. Il n'a pas pris les jours de vengeance. Puisqu'avant cela, il y a Malachi 4. Avant ce jour grand redoutable, avant que la colère vienne, Dieu nous a fait grâce. Et dans Luc maintenant, Luc verset 4, à partir du verset 16, vous allez voir que cette parole là s'est accomplie. Luc 4, verset 16, nous lisons ceci. Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16. Il sera dit à Nazareth. Ya kendeke na Nazareth. Notre grâce. Ngolu na biso. Il sera dit à Nazareth. Ya kendeke na Nazareth. Où il avait été élevé. Et pas wapi akorati. Et selon sa coutume. Be yenge na misere na. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ya kodra na synagogue mukola sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ya tena baki pona kosa litangi. On lui remit le livre du prophète Esaïe. Ba pesa ke bu. Ya déroulé. Et tout va l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Que vous tous qui êtes liés. C'est ça la bonne nouvelle. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vos péchés sont pardonnés. À cause du sang de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as un cœur brisé, le calvaire a payé le prix. Passez à mettre ici. Vous êtes guéris. Corps à l'esprit. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Une délivrance totale. Dans une prédication de Frère Branham, il dit Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait seulement des chrétiens. Il ne fait pas de demi. Quand Dieu te sauve, il te sauve quoi? Et ton esprit est changé. C'est ce que nous lisons dans Ézéchiel. Il dit, j'ôterai le corps de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte, comme vous êtes libre, vous puissiez suivre ma parole. Puisque vous êtes libre, les jubilés du calvaire ont payé le prix. Et il continue, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Si tu liais avec une femme à côté, une maîtresse, ne lui dis pas au revoir. Abandonnez-la. Abandonnez-la. Jésus t'a rendu libre. Pour commettre le captif de la délivrance. Tu es captivé par quoi? Non. Tete. Cette chose-là n'a pas droit sur toi. Toi domines sur cela. Puisque Dieu t'a donné le pouvoir. Tu es libre, tu es libre. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux affaires de recouvrement de fuite. Et pour envoyer libre les opprimés. Et pour les l'année de jubilé. Jubilé. Quand la trompette sonnait. L'esclave était déclaré libre. Il était déclaré libre de tout. Et ici, dans le Nouveau Testament, nous avons reçu la liberté par l'œuvre de Golgotha. Le Golgotha.
Le Golgotha, c'est une jubilée de liberté. Nous sommes libres. Je le déclare. Nous sommes libres. Nous sommes libres. À cause du calvaire. Et Jésus, pour terminer, il a regardé tout le monde qui était là. Il a dit, cette écriture que vous venez d'entendre, elle ne s'accomplira pas. Elle s'accomplit aujourd'hui sur vos yeux. La grâce, c'est un homme. La grâce, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas avoir une église des ivrognes, des adultères, au nom de la grâce. Quelle grâce? La grâce de Dieu, elle sauve. La grâce de Dieu délivre. Notre Dieu délivre. Ça, c'est la disgrâce. La vraie grâce vous rend, la Bible dit, est injustifié. Nous avons maintenant la paix. Tu es devenu pépele. Tu as déposé tout au calvaire. Dieu t'a fait une nouvelle créature. Tu es devenu une fille de Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, qui sont de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes nés de lui. Lui, il est la lumière. Ses enfants, ce sont de la lumière. Lui, il est saint. Il engendre des saints. Dans la justification, tu es saint. Pas par votre première naissance. Par votre première naissance, tu es essuyé. Condamné, jugé. Mais par la nouvelle naissance, tu es saint. Tu te gardes. Tu marches selon ta dignité. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous vous sanctifierez. Dieu nous a sanctifiés par son sang et par sa parole. Sanctifié par ta parole. Ta parole est la vérité. Maintenant, nous nous gardons saints. Ton père est là. Une femme, quand son jour arrive, et qu'il a cette robe blanche, elle fait attention à là où doit s'asseoir. Elle a déjà une robe blanche. Vous êtes un saint. Vous êtes un saint. Gardez-vous. C'est lui qui est né de Dieu. C'est garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Tu te gardes toi-même. Tu es sainte. Tu dois prendre de l'autorité de ta sainteté. Tu es dans le bus. Quelqu'un vient. Il vient là. Dans le bus, puisque vous allez à Lubumbashi. Quand tu es dans l'avion. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est. Et toi, tu acceptes. Eh, toi qui as coulé. Je suis une femme d'autrui. Je suis une femme sainte. Tu ne peux pas dormir sur moi pour le voyage. Allez, tu te gardes toi-même. Toi-même. Tu as de la vertu. Comme une sainte. Tu as de la vertu. Comme un homme, une fille, un fils du grand roi. Vous au contraire. Vous êtes une race élue. Une nation sainte. Un peuple acquis. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Nous sommes libres. Quand vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchit. Demeurez ferme de la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les mensonges liés, la vérité libère. Soyez libres. Pas soyez libres, vous êtes libres. Jésus a déjà payé le prix. Jésus a payé le prix. Vous êtes libres.
Vous êtes libres, mes frères. Vous allez m'assommer, mon dégonangai. Soyez bénis. Bon pas bon ma. Soyez bénis. Bon pas bon ma. Le jubilé. Jubilé. Cette année-là. C'était la joie pour Israël. Et c'est là que c'est bon pour Israël. Et nous aujourd'hui. Baby solélo. Nous sommes libres. Vous allez m'assommer. Nous sommes libres. Tojali m'assommer. Ne nous estimez pas. Bomi mona mokete. Non, non. Tete. Vous êtes de la race royale. Bojali li boto ya bana mokonzi. Vous êtes une nation sainte. Bojali li boto mo sainte. Oui. Iyo. Christ est né sur la terre, sur cette terre. Christo kobota makara mabeloyo. Pour payer le prix de nos rachats. Pour akufuta taru ya lisiko na biso. Jésus n'est pas né au ciel. Yesu abota makina lola te. La Bible dit aujourd'hui dans les temps. Bible le mette l'élo quand on attend. Il vous aime le sauveur et le Christ. Et lui nous a racheté. Et yes, il connaît qui biso. Et nous étions tous liés par la peur de la mort. Et banso tokangama kina kubobangi ya. Comme nous l'avons dit. Le quoi la tromba qui tous les prophètes. Basta koli banso. Il y a que Elif qui fait enlever. Et zali bobe Eli ande ane tola maki. Mais tous sont passés par la mort. Kasi banso ba nekina tala liwa. Mais la mort. Kasi liwa. La mort était une arme dans la main du diable. Hébreux chapitre 2. Écoutez ça. Verset 8. Mais il est dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. J'ai aimé la justice. J'ai haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Est-ce que je suis sur une bonne page? Non, non. J'ai lu autre chose, pardonnez-moi. Je suis sur Hébreux 2. Verset 11. Vous allez vite. Verset 13. Prenez le verset 9 et allez jusqu'au verset 18. Vous qui êtes allé à la verset maison. Verset 9 et 18. Comme de voir. Et encore. Je me confie en toi. Et encore. Mais voici moi. Et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Il a également participé lui-même. Afin que par la mort, il rendit la puissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et le diable est entré quand l'homme s'est vendu au péché. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a trouvé un rançon. Il est devenu un homme. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Il était dans le corps. Il avait faim. Il avait aussi soif. Mais il était Dieu. Il avait de la compassion quand il est allé au tombeau de Lazare. On dit, moi ici que vous voyez, je suis la résurrection et la vie. On dit, non, je crois que mon frère ressuscitera au dernier jour. Il dit, non, je suis la résurrection. Où l'avez-vous mis? Il est allé jusqu'au tombeau de Lazare. Et il a pleuré. Les pharisiens ont dit, voilà un farceur. Il est parti. Il commence maintenant à pleurer ici. Maintenant qu'il y a 4 jours que déjà son ami est mort. Un farceur. Mais après avoir pleuré, il dit, ôtez la pierre. Ôtez l'incrédulité. Et ils ont ôté la pierre. Et c'était un homme. Mais il était Dieu. Le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Et il a essuyé les larmes. Et quand il s'est ressaisi dans son corps, il a crié. Lazare, sors. Cette voix est allée jusqu'au séjour des morts. Il a remis toutes les cellules de la vie. Les corps se sont reconstitués. Et tout est
les asticots sont enfouis. On a vu bouger. Il dit, ôtez-lui les bandes. On a ôté les bandes. Lazare était vivant. Lazare, alléluia. Alléluia. Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est 4 jours que Lazare était dans la tombe. Cette voix criera. Nos morts vont ressusciter. Vivant. Il m'a aimé. Mourant, il a mené mes péchés au loin. Ressuscitant, il nous a justifié pour toujours. Nous attendons qu'il vienne nous chercher. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les séjours de mort. La mort a fait un pas. Liwa a fait un pas. Et Zomba Jésus a fait deux pas. Yes, a poussé la guimba pas. Il a fait trois pas. Liwa est allé ma pas misato. Yes, a zéma pas mis tout doba. Yes, a zéma pas. Ya kunda ki liwa. Ya longola ki ngenge liwa. Ya zarina ba moi. Loko na kobika. Dire pe kobika. Est-ce que Jésus vit? Vous avez la vie. Puisque la résurrection, il nous a justifié pour toujours. Nous sommes libres. Est-ce qu'il y a des femmes libres ici? Lâchez le monde. Lâchez le monde. Vous êtes libres. Dieu a payé le prix. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Soyez bénis. Soyez bénis par la peur de la mort. Les gens se vantent. Tous ces autorités ici. Peur de la mort. Ils rampent dans les maisons de marabouts. Tu es ministre, Yakao. Eh, ministre, viens. Dis-moi sa sapato. Allez, enlève tes chaussures. Allez, enlève les souliers. Le sapato dans le haut. Et chemise, il enlève. Allez, enlève ta chemise. On lui met la poudre ici. Bah, tiens, ma poudre. Tourne-toi, il tourne. Ne regarde pas derrière. On le fait de terreur comme ça. Ils obéissent par la crainte de la mort. On leur donne des fétiches. Une poêle de lion. Et les dents de lion. La Bible dit, un chien vivant est plus qu'un lion mort. Les dents de lion qui est déjà mort ne peut pas te sauver. Le salut est en Jésus. La délivrance est en Jésus. La puissance sur la mort est en Jésus. Vous ne murmurez point. Vous êtes déjà des éternels. Quand vous croyez, vous avez la vie éternelle. Tu es éternel avec Dieu. Amen. Amen. Par la peur de la mort, il a sujetti les gens. Beaucoup sont sujettis par la crainte de la mort. Ainsi, il a délivré tous ces versets 15. Ainsi, il a délivré tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie rendus dans la servitude. La mort et la résurrection de Jésus, c'est une grande liberté pour nous. Paul s'exclame. Il dit, s'il n'y a pas de résurrection de mort, mangeons, vivons. Car demain nous mourons. Mais comme Jésus est mort, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il est vivant, nous vivrons avec lui. C'est ça la victoire que Dieu nous a donnée en Christ. Sinon, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Manger des beefsteaks. Même les Chinois mangent. Même tous les bandits ici mangent des beefsteaks. Mais la différence, nous nous avons la vie. La vie éternelle. Toutes ces femmes de vedettes ici, ils ont des habits. Des habits très chers. Des souliers de père et de père. Mais la différence en toi
Et pas d'ailleurs. Fille du grand roi. Moi, je n'ai pas causé mon nom. Il y a la fille éternelle. Et soit mieux comme elle est là. Que son nom soit loué. Si quelqu'un comme moi est commissaire. Le jubilé nous a rendu libres. Jubilé commissaire sur Bansomi. Nous sommes libres. Toi, j'arrive Bansomi. Nous sommes libres. Toi, j'arrive Bansomi. Qu'est-ce que j'ai noté ici? Ligne encore à Komakiawa. Dans Luc chapitre 20. Dans Luc 4, mi balé. Qu'est-ce que j'ai noté pour vous ici? Ligne encore à Komaki pour la vie. Le jubilé. Jubilé. Nous a rendu libres. Et commissaire sur Bansomi. Vous êtes libre, ma soeur. Vous êtes libre, mon frère. Luc 20, 27. Luc 20, 27. Je l'ai noté pourquoi. Il est dit ceci. Oui, oui. Nous l'avons résumé cela. Oui, oui. Lisez ce seulement cela, ça va vous édifier. Et il y a quelques-uns qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Il a demandé à Jésus, à la résurrection, cette femme sera la femme de qui? Puisqu'il a déjà eu, il a eu déjà sept maris. Jésus lui répond, à la résurrection, nous serons comme des anges. Il n'y aura pas de mariage de l'autre côté. Nous serons toujours avec le Seigneur. Nous n'aurons pas encore de sentiments dans ce corps. Nous aurons des corps glorifiés. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Si que te kombona ye kumisama. Oui, oui. Iyo. Nous avons noté beaucoup des écritures ici. Na komaki ba makomie beliwa. Par rapport avec la résurrection des morts. Ko tali nakali c'est quoi ya bawa? Dieu nous va nous ressusciter un jour. Zamba ko se ku se. Non mort. Ba kufi na bito. Noté. Bokoma. S'il y a des frères ici qui nous ont laissés. Ce que zomi bande ko ba. Comme notre pasteur Kalonji. Le koro mukanga rito. Qui est déjà de l'autre côté. Wa zeli de na ngambo. Dieu va l'appeler. Zamba ko lenga ye. Il va ressusciter. Et tous les saints qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront premièrement et nous serons changés et nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible dit, consolez-vous par cette parole. Église, soyez consolés. Jésus a vaincu les morts. Il est ressuscité. C'est une année de jubilé que nous avons. Nous ne pouvons pas être esclaves. Que Dieu nous aide à garder notre liberté. À garder notre liberté. Ma sœur, tu es libre. Ce n'est pas moi qui le déclare. C'est la parole de la vérité. Mon frère, tu es libre. Ce n'est pas moi qui le déclare. C'est le livre de vie. Et dans cet livre ici, il nous a montré que nous sommes déjà libres par l'œuvre du calvaire. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Qu'il soit loué. Akumisama. Quelque chose à noter aussi. Et le combo qui a commencé. Quand on sonnera la trompette. Dambo kerele koyula. Les gens étaient libres. Bato bazala ki somi. Mais dans Exode 21. Kasina Exode tukumi balena moko. Là nous allons méditer aussi. Wana peto ko méditer ango. Exode 21. Exode tukumi balena moko. À partir du verset 5. Si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, moi je ne veux pas être libre, alors son maître le conduirait devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau et lui percera l'oreille avec un poinceau. Et l'esclave, pour, il sera l'esclave pour toujours à son service. C'est triste. C'est triste. Quelqu'un qui est à Makala, il est là pendant longtemps. On l'a fait chef de prison. Quand la nourriture vient, c'est lui qui distribue. Et on arrive à la fin de l'année. Le président proclame la liberté. Président, le juge vient. Il lui lit.
Dieu t'honore, c'est qui? Tu es parmi les libérés. Lui refuse. C'est vraiment malheureux. Pour rester dans la prison, commencer à manger seulement. N'est-ce pas triste? Et quand quelqu'un aussi, quand il est libéré par Jésus-Christ, et il ne veut pas cette liberté, c'est triste. Tu as déjà payé le prix. La trompette a déjà sonné. Le jubilé de Pâques. Jubilé, y a pas ça quoi. La Pâque, c'est un grand jubilé. Pas ça, que les jubilés, mon aîné. Quand Jésus-Christ est ressuscité, tango, Jésus-Christ, ça, c'est quoi, sont allés regarder. Là, les anges l'ont dit. Angel, on ne cherche pas les vivants parmi les morts. Il est déjà ressuscité. Et la Bible dit, est ressuscité. Il a amené des captifs. Il a déplacé le séjour des morts d'en bas. Le séjour des morts. Le lieu saint. Les gens qui étaient déjà sauvés. Et il les a déplacés pour les mettre dans le paradis. C'est une grâce. La Pâque. C'est le jubilé. Il a amené des captifs. Puisque Job regardait ces jours-là. Il a dit, je le vois. Je vois, écrivez cela. Je le vois, il est ressuscité. Je le vois, il est là. Écrivez, il est ressuscité. Mettez ça avec le bilan de fer. Que je sais que mon rédempteur est vivant. Il se tiendra debout et il nous sauvera. La résurrection de Christ. Non, c'est une grande jubilée. Les morts ont été libérés. Ils sont partis. Job l'a vu. Il a dit, qu'est-ce que je vous avais dit? Je sais que mon rédempteur est vivant. Tout le monde les a... Tous les saints l'ont vu. Ils l'ont reconnu. Adam a dit, c'est lui. Lui qui nous a revêtu les peaux. C'était lui. Et chacun l'a vu. Shadrach et Meshach l'ont vu. Il dit, c'était lui qui était dans la fournaise. C'était lui. Et ils sont partis. Tenons bon. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Maintenant, c'est triste. Ça me fait... Moi, quand je lis ça, j'ai peur. Mais cela ne peut pas nous arriver, nous. Hébreux 6 et Hébreux 10, et nous terminons. Que cela soit l'un de nous. Très loin, très loin, très loin. Moi, j'ai peur. Mais nous sommes des croyants. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce que les croyants sont là? Est-ce qu'il y a les frères et les sœurs qui sont libres? Est-ce que soyez bénis. Soyez bénis. Vous êtes libres. Et qu'est-ce que nous lisons ici? Moi, ça me fait peur. Mais je sais que Dieu nous a rendu libres. Nous ne pouvons pas tomber dans cette catégorie. Dès le premier jour, j'ai dit, mon message est sévère. Il est très, très dur. C'est pour nous secouer. Mais nous ne pouvons pas nous mettre du mauvais côté. Jamais. Nous nous mettons du bon côté. Si on dit de pécher, moi je suis saint. Si on dit de perdre, moi je suis sauvé. Si on parle des élus, moi je suis élu. Les prédestinés et élus avant la folie, je reçu. Mais c'est triste. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. S'il vous plaît. Sans poser. D'accord, ça va continuer. Le renoncement aux œuvres mortes. Yakobo ya misalo ya ekufa. Oh, c'est ceci. Oh, na oh, boy, na boy. C'est de l'enfantillage. Eh, zéro vous pamba. Oh, porte-toi bien, tu es un homme de Dieu. Oh, là, ta malade, vous allez vous porter bien, tu es un serviteur de Dieu. Oh, là, ta malade, vous allez vous porter bien. Sois sobre, tu es un homme de Dieu. Zara Katika, tu es un homme de Dieu. Ce ne sont pas des choses qu'on doit en pour dire encore. Et Zéris, tu es un homme de Dieu. Tu es au-dessus de tout ça. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Laissez cela, ne touchez pas ça. Non, non. Tété. Laissons ça. Tu es un homme de Dieu.
Allons un Père ce qui est parfait. Donc, il y a une chose. De la foi en Dieu. De la doctrine. Il a qui ici? Des baptêmes d'imposition des mains. La liberté ici pour retirer ma boco. La résurrection des morts et du jugement éternel. Et d'abord, malheureux, qu'on s'en bise à moi. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Eh bien, d'abord, tu reçois le temps de faire ça. C'est ce que nous ferons. Mais on peut revenir. Maintenant, le verset 4. Ça, c'est mis là au temps à miner. Jambi, il est impossible. Et qu'on qui constate les matins. Que ceux. Qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté du don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés, amenés à la repentance, puisque Christ crucifie leur part, le Fils de Dieu. Et l'expose à l'ignominie. C'est triste, n'est-ce pas? Et Zali m'a côté. Éclairé. Manger même la Sainte Seine. Participer à tout. Mais ensuite, abandonner tout. La Bible dit ceci. Bible est le Bible. Lorsqu'une terre est abrévée. Par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Et participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, prêt à être maudit. Et on finit par lui mettre le feu. C'est triste, n'est-ce pas? Et allez, ma bobo côté? Comme tableau. Le quoi, la tableau? Mais nous ne pouvons pas être de ces nombres ici. Nous sommes libres. Persévérons dans la parole. Dans la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Nous sommes un peuple acquis. Soyez bénis. C'est pourquoi le verset 9 vous concerne. Quoique nous parlons ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses les meilleures, favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et a rendu et rendu encore le service au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, comme nous l'avons lu dans la parole d'introduction. L'espérance produit la persévérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Ne soyez pas de mauvais côté. Soyez toujours de bon côté. Mais le tableau est triste. C'est triste. Ce tableau-là, ça s'appelle le blasphème. Vous avez pris le sang de Jésus, la grâce de Dieu en vain. Même en Israël, quand on avait appliqué le sang sur le poteau ici, on a refusé de le mettre sur le poteau. Puisque vous ne pouvez pas piétiner le sang. Vous ne pouvez pas jouer avec la grâce. Non. Ne jouons pas avec la grâce. Sans sacanaté n'angolo. Hébreux 10. Hébreux mon cabrazomi. Avertissement aux jeunes gens. Comment les jeunes hommes rendra-t-il se sentir pire en se dirigeant d'après ta parole? Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu et tu n'as pas agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Regardez le péché, c'est sanglier. C'est qu'on offre selon la loi.
Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté. Oui, oui. Que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices, il ne peut jamais être ôté le péché. Mais lui, après avoir offert un seul fois sacrifice pour le péché, c'est ainsi. Il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Il s'est livré pour le péché. Mais au verset 12, regardez, lui qui après avoir offert un seul sacrifice, maintenant c'est le péché. Le fruit du péché, beaucoup. Tout ce que vous pouvez nommer, il s'est livré pour ça. Maintenant après avoir fait tout ça, vient le verset 26. Car, Jambi, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'est plus le sacrifice pour le péché. On appelle ça le péché à main levée. Toute iniquité est un péché. Et toute iniquité peut être pardonnée. Mais ici, c'est quelqu'un qui renie la foi. Ici. Mais une attente terrible du jugement. Et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ne devenez pas rebelles. Nous sommes des croyants. Le vrai croyant, ils marchent la vraie foi. Continuez à solo et marche toujours et avec l'obéissance. Nous ne pouvons pas être concernés pour cette écriture. Mais c'est triste. C'est lui qui a violé la loi de Moïse. Mère sans miséricorde. Sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous? Et sera jugé digne, c'est lui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, la grâce qui t'a été donnée, la bonté que Dieu t'a fait. Tu foules ça aux pieds et tu abandonnes la foi. D'abandonner moi ces choses-là avec l'ilanga. J'ai mangé la Sainte Seine. Tout ça. Ça n'est fini. Et souki. Nous ne pouvons pas tomber dans cette catégorie. Quand je lisais, j'ai une crainte. Nabanga qui? Par lesquels? Ils ont foulé le sang de l'alliance. Par lesquels ils étaient sanctifiés. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Nous sommes ce soir ici par grâce. Tu es sauvé par grâce. Justifié par grâce. Sanctifié par grâce. Et tu prends ce sang. Tu le foules au pied au nom de la grâce. Tu tombes dans la disgrâce. Tu abandonnes la foi. C'est un tableau sombre. Si quelqu'un
par la déposition de deux ou de trois témoins. Ils ont été lapidés de pierre et de pied. Puisqu'il était dit dans la parole, éternel, riche, Bozui. En bonté et en miséricorde. Mais qui ne tient pas les coupables comme innocents. Il est riche en miséricorde. Il est là la colère. Mais la grâce. Est grâce. C'est lui qui le reçoit comme grâce. Ils ont foulé le sang de l'alliance. Ils ont piétiné le sang qui les a sauvés. Au nom de la grâce, on boit comme une abeille. Comment ça? Au nom de la grâce. Tu deviens une ivrogne. Tu ne peux pas mépriser la grâce. Il nous a sauvés. Tu ne peux pas devenir un adultère. Un adultère raciné. Ils ont outragé l'esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Notre Dieu est saint, notre Dieu est juste, et sa justice nous a produit la grâce. Le juge est devenu notre avocat. On te juge. Il commence à intercéder pour toi. Si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Le juge est devenu notre avocat. Nous sommes pardonnés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Persévérons. Soyons dans la grâce. Ne profanons pas le sang de la grâce. Nous avons le jubilé. Nous sommes libres. Vous êtes libres. Pour vos maladies, vous êtes guéris. Puisque dans Psaume 103, il dit l'Éternel: mon âme, bénis l'Éternel. Oui, qui te pardonne tes péchés. Qui pardonne tes iniquités. Et qui te guérit de toutes tes maladies. Soyez bénis. Nous avons reçu une année de jubilé. Nous sommes libres. Soyez bénis. Soyez bénis. Demain, pour nous dire au revoir, nous allons méditer. Nous allons serrer encore pour que chacun s'examine soi-même. Nous avons l'habitude de parler de la grâce, de la loi, de l'amour. Nous allons parler de la perdition. Trois fois de la perdition. Si vous êtes dans une de ces voies ici, malchance. Oh, makila mabé. Nous allons parler de trois voies de la perdition. Et si vous êtes dans ces trois-là, ça s'appelle malchance. Et nous allons nous dire au revoir. Mais je sais que nous classons toujours du bon côté. N'oubliez pas ce principe-là. Nous sommes du bon côté. Soyez bénis. Demain, ça sera bien. Et nous allons nous dire au revoir. Les trois voies de la perdition. Le premier, la voie de Caïn. La deuxième, la voie de Balaam. La troisième voie, la voie de Corée. La Corée. Et d'Atan. On ajoute aussi d'Abiram. La révolte contre la parole. À savoir, côté le Loba. Voilà, tout le monde a envie de le voir. Lèvons-nous, mes amis. Totelema baninga nangai. Et nous allons prier ensemble.
en levant les mains vers le Seigneur pour l'année de jubilé qui nous a accordé. Prions ensemble, frères.
Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Et depuis le dimanche, nous nous sommes entendus que nous allons prier aujourd'hui mercredi toute la journée à demander au Seigneur que le Seigneur nous donne la persévérance. Et quelqu'un ne veut pas demander la persévérance s'il n'espère pas au Seigneur. Et quelqu'un ne veut pas seulement espérer au Seigneur s'il n'a pas la foi. Et la foi marche avec l'obéissance. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur nous assiste. Son serviteur a longuement répété depuis le dimanche, il nous dit toujours que le Seigneur nous assiste. Et nous allons demander au Seigneur que le Seigneur nous assiste et qu'il nous donne la persévérance réelle. Prions ensemble, bien-aimés. Et chacun de nous peut présenter au Seigneur une ou des requêtes qu'il a amenées de la maison. Et si vous n'avez pas de requêtes, vous pouvez prier pour vos frères, pour les membres de la famille, en citant leur nom. Seigneur, je te présente la requête de mon frère, ma soeur telle, et nous allons prier ainsi. N'oubliez pas de prier aussi pour la sœur Tété qui demande à pouvoir prier pour sa fille qui est grosse, qui attend sa fille est grosse. Elle demande à ce qu'elle puisse accoucher normalement. Donc quand nous prierons,
N'oubliez pas de prier pour la fille de la sœur Tété. Prions ensemble, mes amis. Levons nos mains. Totombo la maboko na biso. Nos mains levées. Maboko na biso ya kotombo ma. Parce que sans toi nous ne pouvons rien. Oyete kozanga yo tokoka eloko mokote. Notre secours vient de toi. Lisungi na biso lekuta ndena yo. C'est toi qui nous as appelés. Yo ndo benga ki biso. C'est que tu as connu d'avance. Ba oyo yebaki liboso. Tu les as appelés. Obenga ki bango. Tu les as justifiés. Yo longisa ki bango. Tu les as sanctifiés. O santisa ki bango. Tu les as glorifiés. Yo kembisa ki bango. Nous sommes ton peuple. Tozali libota na yo. Sans toi nous ne pouvons rien. Kozanga yo tozali lokote. Mais avec toi. Melongo na yo. Nous sommes plus que vainqueurs. Tozali koleka balongi. Garde nous dans les limites de ta parole, Seigneur. Que nous puissions marcher dans cette grâce. Puisque la grâce, c'est un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus. Il a payé le prix de notre rachat par notre Père Adam. Par le Père Adam, nous tous nous avons été condamnés. Mais par Jésus-Christ, nous avons été sauvés. Et nous avons connu cette liberté le jour que nous avons accepté Golgotha. Puisque là, tu as dit, tout est accompli. Nous sommes réellement libres. Libère-nous, Seigneur, de toutes les chaînes qui nous lient. Que nous soyons réellement libres. Bénis ton peuple, ici réuni, Seigneur. Nous ne pouvons pas être trouvés
dans les choses que la Bible condamne. Nous voulons marcher dans ta parole. Nous voulons garder ta parole. Puisque tu ne sanctifierais pas ta parole. Ta parole est la vérité. Tu as dit à la résurrection, tu as dit à la tombe de Lazare, tu as dit à Marthe, que je suis la résurrection et la vie. Comme moi je vis, vous allez vivre. En toi nous puissions vivre. Garde-nous, Seigneur, nous qui avons écouté ces jubilés, que nous puissions persévérer, que nous soyons des femmes persévérantes, que nous soyons des fils de Dieu persévérants. Bénis ton peuple, bénis les bergers, bénis les associés, bénis cette église en attendant ton retour. Que nous puissions être trouvés dans la foi, que nous soyons dans la limite de ta parole. Garde-nous, Seigneur. Il est écrit, c'est toi qui bénis. Il est écrit, la délivrance vient de toi. Il est écrit, c'est toi qui nous soutiens. Garde-nous comme cela, Seigneur, dans les limites de ta parole. Il y a notre frère qui prie. Il y a l'un de ses enfants ou de ses petites filles qui doit coucher. Viens au secours, Seigneur, puisque c'est l'Éternel qui fait enfanter. S'il s'accouche bien, la gloire te reviendra. Garde notre berger qui s'est envolé vers les États-Unis. C'est un grand parcours. Ils ont traversé toute l'Atlantique. Des heures et des heures. Dès qu'ils vont arriver, la gloire te reviendra. Puisque chaque voyage, c'est un risque. Mais s'il arrive, puisqu'il est parti pour la bonne nouvelle, nous allons glorifier ton nom. Bénis les conducteurs qui gardent l'église à son absence, Seigneur. Que tu les gardes, que tu donnes la bonne santé. Bénis les saints. Garde-nous dans les limites de ta parole. Que toutes les bénédictions des premières-nées soient sur cette église. Nous avons ainsi prié au nom tout suffisant, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Asseyez-nous, s'il vous plaît. Faites face. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oh, Jésus, oui. Oh, we prend tout, Seigneur.
Mon corps, mon corps.